Nous sommes à Yopougon-Kouté. C'est ici, dans cette maison, que le drame s'est produit. Un jeune homme de 29 ans qui a assommé sa mère à mort. Cette info, la chaîne d'information en continu, s'est rendue très rapidement sur les lieux pour avoir plus ample information. Faire l'anniversaire aujourd'hui de plus qu'à qui est décédé aujourd'hui là. Elle a quel âge aujourd'hui? 50 ans aujourd'hui. C'est 50 ans. Tout le marché était là. Tout. Et il est venu. Il est assis là. Là. D'abord à l'entrée. Il est assis là à côté de nous. Hein? Il est assis à côté de nous là. Il a commencé à chanter. Il a chanté jusqu'à après. La pluie a commencé. Il y a une petite pluie là. Ça c'était quand? C'était hier. Hier, à 18h. Quand il a fini de chanter, il s'est levé. La pluie a commencé, nous on est rentré. Il nous a suivi, il est rentré, il est venu s'asseoir là. Devant la porte du salon. Elle, elle était assise, où il y a le fer là, chaise en fer là. Moi, il a pris le tableau, il s'est assis, il a donné d'eau dehors. Elle était assise, on faisait notre. Après, elle dit, bon, il faut te laver. Depuis que tu es arrivé là, tu as fait en boîte, tu as fait comme les jours en boîte. Tu es venu, ton corps, il y a tes habits, il était là, il t'a changé. Il n'a pas parlé. Il s'est abaissé, il a fait sa tête comme ça. Jusqu'à. Après, il s'est levé. Quand il s'est levé là, sous la pluie, il est sorti. Oh, déjà, c'est fait qu'il a laissé de là, il n'est pas te prendre. Non, il était là. Il venait à le faire là. C'est ma grand-sœur qui était, elle était arrêtée ici, au salon ici. Et puis, il a commencé à crier, il revient à le faire là encore, il revient à le faire là encore. En même temps, nous aussi, moi, je me suis levé. Elle, nous, les enfants, le vieux, tout le monde, on est rentré au salon ici. Elle était assise, ma soeur était assise. Elle était son fils, il ne pouvait rien lui faire. Quand il l'a trouvé en même temps, il a mis deux, un coup. Nous, parce que c'était la table en train de casser. Deuxième coup, on regarde par la fenêtre, ma soeur qui est couchée. Elle est couchée. On a commencé à crier. Il l'a tué. Il a quitté, elle est rentrée, sur nous au salon ici. C'est dans ça que j'ai en profité. Je suis sorti, ils sont rentrés dans la chambre du vieux. Quand ils sont sortis net là, derrière moi, elle a le fer là derrière moi. Il m'a poursuivi jusqu'au goudron. On a traversé le caniveau jusqu'au goudron. Quand il a traversé l'est, Saloni, les taxi moto qui passent là, c'est un qui a traversé en même temps devant lui. C'est pas si ça l'a cogné, c'est pas là derrière moi. Et là, il est revenu encore derrière mes grands soeurs dans la chambre là-bas. Où il avait même fait là. Dedans, il a cassé la porte pour les tuer, dedans, pour les tuer. Voilà la porte, là, il a cassé tout, il a cassé tout. C'est le vieux qui est sorti. Il dit, il a demandé mon fils, pardon. On a fait quoi, puis tu as nous tuer. Pardon. Là, ta mère qui est couchée là-bas. Tu dois nous tuer encore. Tu dois nous tuer encore pour acheter dessus. Pardon, on a fait quoi? C'est ça. On a, mon papa, non, elle a un grand-fils là, qui est venu prendre le fer là. Ils sont venus lutter le fer. Lutter le fer là. En tant que là-bas. Quand ils revenaient, ils ont pris ma soeur parler à l'hôpital. Ma soeur, il n'est pas malade. Si on dit les malades, il n'est pas malade. Tout ce qu'ils sont en train de raconter sur le fils, là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un drogueur. C'est pas un fou. Là, c'est ma marraine. Là, c'est ma marraine. Là, c'est ma marraine. Ils ont tout fait pour que je puisse faire mon anniversaire. Aujourd'hui qu'on devait fêter, elle a demandé à ce que tout le monde soit en rouge blanc. Et voici la tenue qu'elle envoie au presse, elle a lavé, qu'elle devrait porter pour fêter son anniversaire aujourd'hui. Et c'est hier que l'enfant l'a assommé, étant vraiment ivre de la drogue. Il avait pris une surdose, donc c'est ce qui l'a entraîné la mort de sa maman aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman le 20 mai. Elle a avoir 50 ans. J'ai un anniversaire d'abord. De là où elle est, qu'elle sache que je vais bien m'occuper de Doros. Je vais m'occuper de bien de mes petits frères. Son dernier,
Mais ta licence cette année, elle m'occupait de lui. Elle m'occupait de lui. Sa petite fille, elle est là aussi, elle m'occupait de lui. Donc si vous pouvez voir ce côté-là, nos autorités, on leur demande pardon. S'ils peuvent vraiment mettre l'accent sur cette histoire de drogue dans ce pays, ça va nous faire du bien. Parce que les enfants aujourd'hui prennent la drogue. Nous, les parents, c'est vrai, on contrôle nos enfants, on leur donne des conseils. Mais avec la compagnie des amis aujourd'hui, quand ils vont, ça entraîne beaucoup de choses. Donc vraiment, voyez vraiment ce côté de drogue. Tout d'abord, lui dire merci. Merci pour toutes ces années à se battre pour notre bien-être, à se battre pour nous mettre à l'école, pour trouver de quoi nous nourrir après le décès de notre père. Elle a été notre père et notre mère en même temps. Elle nous a aimés. Elle nous a protégés contre toute forme de violence. Elle s'est battue contre vents et marées pour nous mettre à l'école. Et c'était à notre tour maintenant de l'honorer. Comme on l'a dit, elle devait maintenant bouffer notre argent. Et son fils, son propre fils qu'elle a gardé 9 mois, lui a ôté la vie. Elle est partie brusquement, soudainement, c'était pas prévu. La faute de mon frère ne fait pas de ma mère une femme qui n'a pas su s'occuper de ses enfants. Mes autres frères et moi sont la preuve que notre mère s'est battue pour que nous puissions avoir un avenir prometteur. Mais la divinité en a décidé autrement. C'est bientôt la fête des mères. Chaque année, ses enfants, ses nièces, tout le monde se réunissait pour lui offrir des cadeaux. Elle aimait nous voir heureux, réunir toutes ensemble aujourd'hui. C'est bientôt la fête des mères. Et au lieu de sourire, on pleure. C'est vraiment un événement qui bouleverse tout le monde. Toutes ces personnes ici présentes. Prisca a donc quitté ce monde. Cette bâche, initialement prévue pour ses 50 ans, servira finalement à ses funérailles. Mamie,